Bye.
encore aujourd'hui, cet après-midi. Nous te prions, Seigneur, de marquer ces instants de ta grâce, de ta gloire. Ta grâce, tes riches et puissantes bénédictions en Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Père, c'est toi qui as dit un jour à l'homme qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et tu lui feras une aide qui célébrer ta parole qui s'est accomplie en ces jours dans la vie de tes enfants Jirès et Clarisse. Père, nous te rendons grâce et nous prions, Seigneur, d'apposer les sceaux de ta grâce, d'apposer les sceaux de ta faveur, d'apposer les sceaux de ton amour, d'apposer les sceaux de ta présence en ces lieux, Seigneur, que tu répandes une joie que le monde ne peut nous donner, que tu répandes ta grâce qui va accompagner ces couples tous les jours de leur vie, que tu répandes tes faveurs puissantes dans ces lieux et que toute l'assemblée soit affectée par ta présence. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié avec les acclamations de ton peuple. Nous lisons. Je vous prie que nous pouvons reprendre place à toute l'assemblée pour ceux qui sont déjà dans le mariage et pour tous ceux qui aspirent à entrer dans le mariage. Nous allons rapidement dans le premier texte, dans Proverbe chapitre 24, verset 3. Il est écrit dans la version, j'ai la version Louis II, il est écrit ainsi: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, dans notre sagesse qu'une maison est bâtie, et la intelligence qu'une maison s'affaire. Appelle une famille, un foyer, une maison. Il y a des personnes, que ce soit dans les livres de Genèse, lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour lui dire: quitte ou sors de la maison de ton père. Ce n'était pas qu'une maison physique faite de pierre, mais c'était sa famille, sa source. Dieu parlait de ses origines. Et lorsque nous lisons, mon foyer, une maison à bâtir par la sagesse, lorsque nos bien-aimés ont pris la décision de se marier, de marcher ensemble, de vivre ensemble, de partager une destinée commune, une maison que nos bien-aimés ont pris la décision de construire. Cette maison, par la grâce de Dieu, va s'affermir. Cette maison deviendra grande. Cette maison va donner naissance à des enfants. Cette maison deviendra une référence. Alléluia. Lorsque l'on parle de la famille X, la famille Y, lorsque notre bien-aimé Jirès et son épouse ont pris la décision de se marier, ils ont décidé de fonder une maison qui portera le nom de Caïné. Amen. Et bien aimé, pour bâtir cette maison, cela requiert ou cela demande la sagesse. Sans la sagesse, cette maison ne sera pas affermie. Cette maison ne sera pas une bénédiction pour les époux. Ce samedi, ce n'est pas les seuls couples qui vont se dire oui. Mais il y a une différence entre ceux qui se marient et les couples qui sont fondés par les valeurs du sur les valeurs du royaume de Dieu, sur la parole de Dieu ou sur les valeurs de ce monde païen et corrompu. Alléluia. Il faudrait consolider cet amour et c'est un travail de tous les jours. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Pourquoi je l'ai dit? Parce que votre histoire a commencé entre vous deux. Avant qu'il y ait des conseillers, avant qu'il y ait des amis, avant qu'il y ait des personnes qui pourraient être peut-être proches de vous. Mais l'histoire a commencé avec vous et tu dois jouer ce rôle de bâtir ton couple, ton foyer par la sagesse. Psaume 127, verset 1er dit ceci. La première des choses que tu devras savoir, peut-être tu le sais déjà, mais intérioriser, femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Le monde dit Goliath a moins-ci, Goliath a nous. Ce n'est pas une parole divine, ce n'est pas la pensée divine. Le monde dit moi-ci, Azam, moi, Azam. Le monde dit moi-ci, faut être dictateur. Le monde dit la femme, il faut la maîtriser.
disait qu'il faut l'opprimer et l'écraser, imposer son autorité. Alléluia. Ça, c'est ce que le monde dit. Le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme. Ce sont des valeurs du royaume de Dieu et que nous devons refléter dans notre couple. Je l'avais dit au départ, notre couple et de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur sont différents. Parce que nos couples sont conduits ou dirigés par les valeurs du royaume de Dieu. Les autres couples sont dirigés par les valeurs ou les antivaleurs de ces mondes. Alléluia. Et vous êtes les architectes de votre couple et tous les jours vous avez la responsabilité de le bâtir à la main. Dites Seigneur, nous nous sommes alignés dans ta volonté. Nous nous sommes aimés. Nous avons pris la décision avec nos familles d'officialiser notre relation pour t'honorer. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous. Nous te prions de nous accompagner jour pour jour et pas à pas. Nous voulons fonder notre foyer avec toi. Nous voulons que notre couple soit comme une maison bâtie sur une montagne. Là où nous vivons et partout où nous serons. Si c'est de cela que vous inspirez dans votre cœur, la grâce ainsi que la bénédiction du Seigneur va vous accompagner et sera avec vous. Amen. Nous devons savoir une chose, lorsque nous nous marions, c'est vrai, en priorité c'est pour nous, mais ce n'est pas seulement pour nous. Dieu a aussi des exceptionnels et des bénédictions avec Dieu. Alléluia. Mon frère Jules, je sais que tu as des amis avec qui tu as grandi, je sais que tu as des connaissances, peut-être des amis ou des collègues de service. Je sais que le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux enseignent, les amis du monde enseignent, mais tu as la responsabilité de bénir notre enfant, car il fait notre fierté dans son foyer, il fait notre fierté devant nos petits-fils et nos petites-filles, il fait notre fierté là où il vit. Comment cela? C'est pas ta façon de vivre, c'est pas ta façon de bâtir ton foyer, et c'est pas ta façon de vous accorder. Alléluia. Bien-aimé, il faut le faire. Si tu ne prends pas le temps de consolider cet amour pour bâtir votre foyer, le diable vient. Amen. Lorsque on ne sème pas l'amour, le diable viendra semer quelque chose d'autre. Et un couple, c'est comme un jardin dont on a la responsabilité d'arroser tous les jours. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Mariés, qui se font appeler des influenceuses, qui découragent aux jeunes filles de se marier, qui sont en train de déprécier la valeur du mariage. Au thème que nous avons proposé cet après-midi, mon foyer, une maison à bâtir par la sagesse. Les enfants vont venir, mais quel foyer va leur accueillir? Ils vont être dans quel environnement? Le premier réflexe qu'ils ont, c'est les parents. Et lorsque les enfants naissent dans un environnement qui favorise une bonne éducation fondée sur la parole de Dieu, les enfants vont faire votre fierté ainsi que la fierté de leurs grands-parents. Mon frère Jules, lorsque tu as pris la décision d'épouser ton épouse, de vivre ensemble, n'oublie pas que c'est une maison que tu veux bâtir. Et moi, ma prière, que cette maison, la maison Caïn et sa famille, est devenue une grande maison. Solide, bâtie sur des fondements qui reflètent la gloire de Dieu. Que tes enfants, les enfants de tes enfants, soient l'honneur ou la valeur, ou fassent l'honneur des parents que vous êtes. Que tes enfants, les enfants de tes enfants, soient une réussite. Les gens bénissent le Seigneur. Et c'est un travail que toi, tu vas commencer aujourd'hui. Avec ton épouse, ton amour, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Éphésiens chapitre 5, 22 à 25, que j'avais donné. La première partie concerne notre sœur, ton épouse, et à partir du verset 24, sème la graine de l'amour tous les jours, et tu deviendras le Seigneur. Il y a certaines capacités, il y a certaines bénédictions qui sont dans ton épouse que tu n'as pas encore vues. C'est une fleur qui va s'ouvrir davantage et répandre un bon parfum si tu te
donnes cette responsabilité de l'arroser tous les jours. Mais si tu n'arroses pas, elle va faner. Si tu n'arroses pas, elle va sécher. Si tu n'arroses pas, tu ne l'aimeras plus. Si tu n'arroses pas, tu seras tenté de regarder ailleurs. Mais si tu prends cette responsabilité de l'arroser tous les jours, de s'aimer la graine de l'amour tous les jours, elle va répandre un merveilleux parfum qui bénira ta vie. Certains même te diront, mon cher, on t'envie vraiment, tu es béni. Et tu vas expérimenter cette parole qui dit, on peut hériter de ses parents, des maisons et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai dit, cela est écrit dans la Bible. Et si tu veux expérimenter cela, sème la graine de l'amour dans le cœur, dans la vie de ton épouse. Qu'elle se sente aimée, protégée. Et en retour, par la grâce de Dieu, elle fera de toi un homme complet et un homme heureux. Lorsqu'il y a beaucoup d'amour, la soumission viendra. S'il n'y a pas d'amour, la soumission sera mécanique. Mais si tu arroses ton épouse de beaucoup d'amour, tu ne demanderas même pas de soumission. Tu vas constater qu'elle est vraiment une épouse soumise, épanouie et aimante. Et la mère des merveilleux enfants que j'ai pris, que le Seigneur puisse vous accorder. Amen. Et un homme, on t'appellera Madame Caïn. C'est une responsabilité de porter le nom d'un homme. Et ce nom d'une famille, lorsque nous déplaçons, nous marchons, partout où nous pouvons nous retrouver, on peut se faire une idée de notre famille à travers nous. Et une couronne qui est sur ta tête. Et tu dois l'honorer. L'honorer comment? En lui donnant sa place d'époux. La logique d'aujourd'hui, les Écritures nous enseignent. Aujourd'hui, on nous dit parité. Aujourd'hui, on nous dit égalité des chances. C'est dans les mondes professionnels, pas dans les foyers. La Bible, ce qu'il a prévu pour nous. La Bible est simple et elle est claire. L'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas lui qui doit te soumettre. Non. La position que tu as donnée, c'est par rapport à ta maison, c'est par rapport à ton foyer. Si tu le fais, tu honores Dieu. Même si tu as un problème avec Dieu. Amen. Dans les réseaux sociaux, va elle-même détruire sa maison. Et demain, elle va chercher des conseillers. Demain, elle va se plaindre dans les réseaux sociaux. Demain, elle va chercher des vues et des commentaires des autres pour se consoler. Alléluia. Marier, c'est une grâce qui est disponible, mais aujourd'hui, ce n'est pas toutes les filles de ton âge qui se sont mariées. Une formalité. D'où l'enfant d'accord pour la banque. Est-ce que quand vous avez commencé des enfants, vous avez commencé à deux, les enfants sont venus après. C'est possible de ranimer la flamme qui vous a unis. C'est possible si vous le voulez. Les parents sont là, ils vont vous conseiller, ils vous reviennent. Vous reviennent. Et consolidez votre amour et de veiller à cela tous les jours. C'est comme ceux qui travaillent. Ils ont des collègues de service forcément validés. Mais le travail oblige qu'avant d'écrire une lettre, il faut passer par nous. Donc on connaît qu'il est là parce que c'est pour te connaître, c'est la procédure. Mais sincèrement, il a loyauté. Mais comme c'est pour ton collègue, il faut qu'on ait l'obligation. Mais il n'y a aucun contact vrai entre vous. Bien-aimé, veillez sur ça. Ne devenez pas protocolaire. Lorsqu'il y a un problème, un malentendu, au vent la moussoulona. C'est comme ça qu'on trouve des solutions et c'est comme ça qu'on tombe. Quand il y a un problème au Kamikanda, et ça fait une année, des jours, trois jours, ce n'est pas bien. Quand il y a un problème, ayons le courage de l'éviter. Et lorsque l'on sait que la faute est en avant de la vision, ayons l'humilité de demander pardon. Mon Gilles, ma Clarisse, en tout cas, dis-moi ça. Je vous
Je veux que nous soyons heureux, je veux que tout ça soit d'amour. J'ai été mal comporté, pardonne-moi. Et au nom de nous, allons-nous, tu restes les chefs de nos foyers. Au contraire, et vous bâtissons sur l'esprit. Et c'est un modèle que tu vas. Il faut voir comment son père aime sa mère. Il y a des filles aujourd'hui qui disent non, pas à tout parce que j'ai vu comment mon père m'a traité ma mère. Soyez des modèles pour vos futurs enfants, que je prie que le Seigneur vous accorde au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier texte, c'est Hébreux 13:4. C'est là que nous allons terminer. Avant que d'autres personnes honorent votre couple, cette responsabilité vous revient en premier. Mon frère Jules, ma soeur Clarisse, votre façon de vous traiter, de vous comporter va déterminer la valeur que vous donnez à votre couple avant que les autres ne le fassent. Un homme qui respecte son mariage, ça se voit. Azab, on a besoin de le bâtir. Vous sentez qu'il respecte son foyer. Une femme, mêmement, vous sentez qu'elle respecte son foyer. Azab, battez-la. Naponaye, Nibala, Naye, Azab, Pesamon, Kilo. Avant que les autres ne puissent l'honorer. Lorsque tu as des problèmes, les premières personnes vers qui tu vas te confier, ce sont tes anciennes collègues qui sont influenceuses dans les réseaux sociaux et qui vont te donner des mauvais. Sokaye, Tessem Kongo, Sokaye Kolobanaïti, c'est là où nous sommes dans la chambre. Il faut l'endayer. Tout l'homme a dit, mon cher, mon salon, ça va. Yom de Dieu, si vous me bénissez, soit vous me bénissez, ou quoi que ce soit, c'est une chose. Est-ce que c'est ça la solution? Basse très bien, de quoi est-ce que moi c'est dans la vie? Ça c'est le diable qui parle. Basse basse bien, est-ce que moi c'est mieux sur la vie? Notre pasteur a toujours dit, des fois nous demandons à Dieu ce qu'il veut. C'est ça la grande question que le Seigneur nous met tout. Est-ce que vous ne pouvez pas le travailler? Elle envoie qui sait. Mon différence. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous prêchons la célébration donne l'opportunité. Lorsque nous donnons les enseignements, nous les disons, mais ce que nous avons posé aujourd'hui comme base, cela valait la peine de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la bénédiction initiale. J'ai pris au couple parent d'aider leurs enfants, Jules et Clarisse, à bien vouloir se lever. Je vous prie, chers parents, si vous êtes là, et bien vouloir approcher. Représentant les parents de notre sœur Clarisse, l'épouse, chers parents, si vous êtes là, nous vous prions d'approcher. L'Église bénit ceux qui sont déjà mariés. Le mariage commence à la famille. C'est ce qu'on appelle mariage coutumier. Nous allons appeler l'officier de l'état civil pour officialiser l'union. Et l'Église prie que le Seigneur bénisse à la bénédiction de nos enfants. Oui. Merci beaucoup, papa. Je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour que nous puissions procéder à la bénédiction de nos enfants? Merci beaucoup, papa. Et se regarder face à face. Que c'est bel et bien son épouse. L'époux, nous vous prions de lever le voile. Maintenant, frère et Jules,
Es-tu sûr que ce n'est pas une chose? Es-tu sûr que ce n'est pas une fille, une femme qui a subi une chirurgie? Non plus. Il n'y a pas de traces, il n'y en a pas. Tu es sûr que c'est elle? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alors je prie au couple, parents, de présenter les anneaux. C'est l'anneau ici. Chacun choisisse la bague qui va passer l'anneau de l'autre. Nous allons commencer par l'homme. Bien aimé Jérès, nous ne mettrons pas les mots dans ta bouche. Exprime-toi librement quand tu as l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, que cela soit plus que des fois avant. Ta maman fait. Souviens-toi,
mon amour, je te promets, devant mes parents, devant mon pasteur, devant Dieu et devant les invités, que je resterai fidèle. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je serai toujours l'ardent du jour pour moi. Je serai Thank you.
Ah!
entretien. C'est parfois insupportable. Tu fais mal à la tête. Ça assiste même le Saint-Esprit. Mais la politique est païenne. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na singe sala yemolu. Bisika banda ki kokuya. Et comme un poème pour la yé. Moteme l'ingie. Yé oyo. Ningondanga. Yé oyo. Alota kiango andoto, lo sambo e futi pena yo. Le bon. Yo yo, kubombi sili ye oyo, atabambonge ye oyo e, elamba yango yango yo. Oh,
Barakoba Tanga, l'école primaire de l'Obi, le pouce, l'index, le manchère.
délivré. Bon, est-ce qu'on peut lever la main, s'il vous plaît? Bon, on va applaudir avec un doigt seulement. Est-ce qu'on peut applaudir? On commence avec les Nets. Les Nets. Allez, on applaudit. Allez, on y va. On y va. On applaudit. Avec les Nets. Est-ce qu'on peut ajouter le majeur, s'il vous plaît? Ok. Ça commence à venir. On peut ajouter la mulette, s'il vous plaît. On peut ajouter le petit doigt. Est-ce qu'on peut ajouter encore le pouce? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le mari? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le mari? Pendant que nous nous levons, que Dieu te rende.
Papa, laisse que la joie puisse remplir nos cœurs, que le marié, Père éternel, et que tout le convive soit rempli de joie, car c'est ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de plan du monde des ténèbres contre cette soirée, Seigneur, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. L'homme, le garçon, le monsieur, le papa, l'homme qui a dit, qui va et qui a pris une grande décision. Cette décision, beaucoup ne veulent pas prendre. Il a dit qu'il va prendre une épouse pour vivre avec elle pour toujours. J'ai l'honneur de vous présenter, messieurs, le garçon, l'homme, le plus beau, le plus gentil, le plus élégant, le plus calme, le plus aimable, l'homme de ce soir, monsieur Gilles Kaliembe. Ce qui me lie à Bali, je mets ma main à couper, je mets ma jambe à couper. Qui sait qu'au fin d'un abat, un garçon qui est aimable et souriant. Donc, quand tu vis avec lui, heureusement qu'il sait que c'est un homme qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui? J'ai l'honneur de vous présenter le seul et le lui, le seul fidèle de la RDC. L'homme qui reste et qui. Parce que
docteur. Docteur Raza, Amsousou, maman pasteur. Pasteur Raza, même Amsousou, maman maître. L'invité, hein. Azalamate. Oh yo, y'a mon âme et un pays à ma place. Qu'on doit applaudir très fort pour lui. Kayembe. Kayembe, tu m'as. Je reste. Le papa, qui maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre la maman gentille dans la maman de ma place? Le papa le plus heureux de la terre. Nos papas sont toujours fiers de nous présenter. Hein. Quand tu passes, mon fils, il est médecin. Voilà ma camarade de la maman à Apo. Ah oui, c'est mon fils. Papa, tu es le papa le plus heureux de la terre. Alors, il est fils de maman. Maman. Moudia. Alors, Thérèse. Monsieur Jurès est né à Kinshasa le 19 juillet. Mkua, Mkua, Pashina. Aisha, Pansa. Est-ce que papa Kashi n'a tout le droit? Est-ce que papa Kashi n'a pas? Il est. Merci, merci. C'est quelqu'un qui a étudié. Il a étudié, bien sûr, à Bushman, au collège Bouga Sansenga. C'est bel en cible. Et après, il a fait des grandes études et a obtenu, est entré dans une grande université qui est l'université de Lubumbashi et a obtenu les titres de docteur en chirurgie et accouchement. Le plus noble de la terre. La seule personne qui peut dire au papa le mot sultan, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Jamais personne n'a vu la chemise du pape. Non, je n'ai pas dit dans la maison, la chemise du pape. Donc la seule personne qui peut dire papa la met très fort pour lui. Ça, il a fait plusieurs formations obstétricales et mammaire, échographie abdominale. Voilà, bon, ce que vous avez dit, vous avez dit, vous expliquer. Bon, la santé, information et création de gestion des projets. Voilà, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, maman, vous avez dit, 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 il a travaillé chez l'État congolais, il travaille au centre hospitalier Naïbi de Bazar, des anciens combattants. Est-ce que vous êtes un combattant de sa vie? C'est Barça et il aime regarder les documentaires. Il aime manger et les gombos. Et le frébon, c'est le foufou, hein. Le foufou, le bombo et le frébon. Ça, voilà, c'est sa nourriture préférée. Merci beaucoup. Papa Jérès, vous pouvez vous asseoir. Pour de la femme, de la reine. Je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je me suis noyé. Je lui ai posé la question pour savoir pourquoi tu t'es noyé. Où est-ce que tu t'es noyé? Parce que toi, tu es un grand nageur. Il dit, je me suis noyé dans les yeux des larmes et de l'eau qui coule dans les yeux d'une charmante femme. Un bon nageur qui peut nager dans de grands fleuves. Mais il se noie.
aux yeux d'une charmante femme. Cette femme a l'allure de la beauté éternelle. Cette femme que Dieu a pris du temps pour la créer, multipliée par A. Donc c'est la mathématique créée par Dieu lui-même. Une femme poisson. Normalement, le médecin doit avoir la plus belle femme du monde. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette beauté, cette belle femme, cette fleur du jardin d'Éden, cette femme qui donne le charme à Monsieur Jeunesse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Ngalula Ngoy. Est-ce que vous pouvez me s'il vous plaît? Ok, Madame Ngalula Ngoy qui se présente fort. Elle n'est plus Madame Ngalula Ngoy, maintenant elle est Madame Ngalula Ngoy Kayemé. Clarisse, fille de Monsieur Moulay Kazadi Safari, représentée par Monsieur Henri. Est-ce que vous m'intéressez? Représentée dans la salle, la représente pas. Merci maman. Maman n'a pas son sambo. Aucun des koyebis ça. Maman Thérèse Bouy. Soki. C'est elle maman. Ah, la maman est là. La maman est là. Donc c'est la maman. Ah, est-ce que tu vas mettre sur maman? Président de la République. Est-ce qu'on conseille la bise au catalogue et à beauté à ma cité? Comme ça, Topé, sa président, va publier le ministère et la genre et famille. Tant que tu as la poste à Foko, tu as moins la. Merci beaucoup. Elle est née à Kanaga, madame, le 20 mai 2002, 2003, 2004. Il est né en 2022. Originaire de Lomami, il a obtenu son diplôme d'État au complexe scolaire Elenga à Kinshasa. Il est gradué en accueil et tourisme. Est-ce que vous avez un ami? Lobbying, elle aime le cinéma, salon, fan de poisson brisé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bon, ce n'est pas tout. J'ai l'honneur, maman, est-ce qu'on peut faire ce que vous très fidèle. Elle a pris le renard d'abord deux fois le femme. Ah non, elle est merveilleux. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur le parrain, Monsieur Docteur Patrick Biakounima. Est-ce que tu peux te tenir de vos papa? Il est l'époux de madame. Il est l'épouse de madame Clarisse. Est-ce que tu peux te tenir à ma parrain à Bobo? Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, la vie. J'ai confiance. Je sais que tu me trahiras jamais. Merci beaucoup. Papa Jeunesse, vous t'aimez. Le bourgmestre ou le pasteur, quand il finit la cérémonie, il déclare et il dit, maintenant là vous êtes marié et femme. Mais c'est quoi Michel Bozara qui dit? Nakomi Bozara qui dit? Mélise Bozara qui dit? C'est quoi là, papa, maman, 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 poussé, maman, poussé, maman, poussé, maman, 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 Tous ces prénoms.
Merci. Accompagnez. Allô, quand t'as la maman, maman, quand t'as la maman. Monsieur le président,
Je ne veux pas vous dire, 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 je ne veux
Je
habite en France. Donc la minute, bon papi. Aïe, c'est bien là. Hein? Merci beaucoup. Parce que nous, on est ici. Il y a un peu de mal ici. Il y a un peu de médecine. Donc, la campagne. Donc, oui, la première madame. Donc, l'extension du syndicat national de médecins s'invite dans l'hôpital des anciens combattants. Ok, s'invite, aspect.
voilà, nous en tant que spectateurs, on acclame pour eux et on les encourage. Voilà. Thank you.
calmement. Si tu me cherches, si tu suffisais, je réussis à ce que tu peux me chercher, si tu suffisais de mes. Merci beaucoup. Maman, il est sa papa. Calmez-moi. Oh, yes, ça y est. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux très fort? C'est maintenant le tour du champagne. Champagne, on acclame. Ok, très bien, très bien, très bien fait. Merci beaucoup. Un verre de champagne. Une coupe de champagne, la vibration de champagne. Ça fait du bien hein, le mariage. Ça donne un petit défi de notre temps. Papa Gilles, c'est mon traitant. Croisez. Papa Dima, papa Dima. Ok, allez-y. Merci. Est-ce qu'on peut dans le courrier? On peut l'acclamer. Les anciens mariés veulent approcher.